Donc, comme tu peux constater, on a toute une panoplie de biens qui répond vraiment aux attentes de tous nos clients. Welcome to Les Rendez-vous Aikis, conversations with incredible people about the real estate industry. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Rendez-vous Aikis. Je suis Divya Gopal, responsable marketing chez Aikis, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Vanessa Duverger, responsable des ventes du projet Mon Choisi. Bonjour Vanessa. Bonjour Divya, bienvenue à Mon Choisi. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très beau, c'est très gentil de nous accueillir ici. Et merci d'avance pour ton temps pour répondre à mes questions. Donc peut-être qu'on aurait pu commencer par que tu nous dises un peu plus sur toi, ton expérience et ton rôle à Mon Choisi. Alors j'ai vécu longtemps en France. Pendant au moins une dizaine d'années. Je suis revenue à Maurice depuis 5 ans et depuis mon retour à Maurice, j'ai l'honneur de travailler dans l'immobilier. Aujourd'hui, je suis responsable des ventes et administrative de l'équipe de Mon Choisi La Réserve et des autres projets à venir. D'accord, donc Mon Choisi, un énorme projet quand même dans le nord de Maurice. Si tu peux nous en dire plus sur ce projet, les différents types de villas, d'appartements que ce projet a, ce serait super intéressant. Oui, bah déjà, on a le concept de Smart City. On a Mon Choisi le parc qui est la première phase et la deuxième phase de Mon Choisi Golf and Beach Estate. Donc, étant des passionnés de l'immobilier, nous avons lancé Mon Choisi La Réserve, des biens de prestige qui conjuguent authenticité, intimité et des biens luxueux en fait. On a des appartements du rez-de-chaussée au deuxième étage, des penthouses au troisième étage avec une vue mer et des villas majestueuses sur le golf. Donc comme tu peux constater, on a toute une panoplie de biens qui répond vraiment aux attentes de tous nos clients. Oui, et des biens différents, donc des profils de clients potentiellement différents. Exactement. Quel type de profil donc ce projet attire à l'île Maurice? Alors, on a plusieurs types de profils. Déjà, Mon Choisi, on a des clients mauriciens, la diaspora mauricienne aussi qui investit ici. On a des clients étrangers qui nous viennent d'Europe, de l'Afrique du Sud, Moyen-Orient, de l'Asie également. Donc, il y a des personnes qui sont résidents ici et qui veulent vivre au sein de Mon Choisi, parce qu'il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à découvrir ici. Et on a des clients qui veulent justement investir et avoir un pied-à-terre ici, pour toute optimisation fiscale. D'accord. Et justement, Mon Choisi, donc, c'est un énorme projet au niveau même taille dans la région du nord de Maurice. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur qu'est-ce que ce projet amène à cette région et aussi peut-être parler des différentes facilités qui sont présentes sur le domaine? Oui, bien sûr. Alors, donc, je te parlais de la première phase et la deuxième phase, donc Mon Choisi le parc. Nous avons développé Mon Choisi la réserve, la troisième phase, et nous lançons très prochainement Mon Choisi phase 4, donc Mon Choisi la réserve phase 4. Nous avons fait le développement de Bois des Champs, des terrains, phase 1 et 2, et également les allées du golf. On a tout vendu très rapidement, on a été vraiment pris de court. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir développer le nord de l'île Maurice et créer en fait une destination unique sans équivalent. Notre Smart City, on choisit la destination, est un projet pour les 25 prochaines années. Ce que notre projet apporte sur l'île, déjà nous avons un magnifique golf de 18 trous qui est connu, reconnu à Maurice, international pour les compétitions. Nous avons aussi une réserve naturelle de 50 hectares. En fait, on n'a pas voulu uniquement construire que des biens immobiliers, mais nous avons aussi opté pour l'espace, la verdure. Donc la réserve naturelle est le véritable poumon vert de Mon Choisi. Et nous le gardons tel quel, avec un sentier de 15 km où nos propriétaires, nos résidents peuvent se balader, faire des jogging, même faire une balade à cheval par exemple, parce que nous avons aussi l'équitation, nous avons aussi les écuries de Mon Choisi. Donc les amateurs et les passionnés d'équitation pourront s'adonner à leur activité. Nous avons aussi le paddock, un manège pour eux. Nous avons Mon Choisi le boulevard, qui est d'ores et déjà un incontournable ici, avec les boutiques de luxe, cafés, restaurants, entre autres, un aire de jeu pour les enfants aussi. Nous avons le Cipière Clinique, donc la clinique qui est actuellement à Granby-la-Croisette pour les urgences, avec qui on a fait un partenariat, donc c'est vraiment un partenaire de choix, qui est juste derrière le mall. Donc on n'a plus besoin de conduire jusqu'à Réduit ou Cœur-Pipe aujourd'hui pour être hospitalisé, donc c'est magnifique. Nous avons le Retirement Village, donc on n'a pas oublié aussi les seniors. Ils sont à côté du centre commercial Mon Choisi, le mall.
où vous trouvez la cuisine gastronomie de différentes cultures, des boutiques de choix, c'est vraiment un one-stop shop. Et nous avons, pour nos propriétaires, un centre de loisirs avec une piscine chauffée, un espace, un aire de jeu pour les enfants, un endroit vers les banyans, les arbres centenaires pour le yoga et le pilates. Donc c'est vraiment pour mieux se ressourcer, pour la méditation, c'est excellent. Une gym, sauna, hammam. Exactement, tennis et paddle tennis qu'on n'a pas encore dans le Nord, mis à part RM Club qui propose le paddle tennis, donc nous avons le paddle tennis. Donc il y a vraiment toutes les activités qu'on recherche. Donc pour ceux qui recherchent par exemple le côté nature, nous l'avons à Montchoisy avec la réserve naturelle. Nous avons le côté plage de Montchoisy qui est reconnu aussi pour ses sables blancs, pour la mer turquoise translucide. Donc on ne parle même plus de Montchoisy aujourd'hui. Pour ceux qui recherchent la vie nocturne, les restaurants, tout ce qui est à proximité, les boutiques de proximité entre autres, nous sommes à côté de Granby. Donc il y a vraiment tout pour faire le bonheur de nos résidents et de nos propriétaires. Et en plus, donc là, on est vraiment, on va vraiment au-delà de l'immobilier. Vous offrez un cadre de vie exceptionnel avec justement tous ces loisirs, tout un côté lifestyle incroyable. Je pense qu'on ne voudra même pas quitter notre maison le domaine. C'est le but. C'est le but. En fait, on a tout à proximité. Et généralement, quand on vient d'Europe, on a l'habitude d'avoir tout à proximité, à portée de main. Donc, c'est ce qu'on voulait vraiment apporter en fait à cette région. Voilà, et ce n'est pas uniquement les propriétaires de Montchoisy qui auront accès à des services, c'est aussi les habitants de la région, tu vois. Par exemple, on parle de boulevard de Montchoisy, donc le boulevard qui connecte Granby au mall de Montchoisy, donc avec toute la rue piétonne, les aires de jeu, donc ce sera accessible à tout le monde. Donc c'est aussi pour les habitants. En tout cas, incroyable, on a hâte de voir l'avancement de ce projet. On est sûr que ça va se vendre assez rapidement. Déjà, on a lancé Montchoisy la réserve et on est déjà en construction. Donc pour te dire que ça s'est vendu quand même assez rapidement, on a eu beaucoup de chance, même pendant le confinement, d'avoir des clients qui nous réservaient des biens et qui arrivent là très prochainement pour voir le site. Donc on est tellement excités avec l'ouverture des frontières. Et nous lançons justement très très prochainement, d'ici quelques semaines, la phase 4 de Montchoisy la réserve, avec des appartements, toujours au rez-de-chaussée, deuxième étage, penthouse, toujours avec la vue mer, et des villas majestueuses sur le golf également. En tout cas, félicitations pour tout ça, hein. Merci. C'est du beau travail. Sinon, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas trop l'île Maurice, comment est-ce que tu caractériserais la région du nord de Maurice ? Alors, comment caractériser la région du Nord ? Déjà, quand on parle du Nord de l'île Maurice, on pense à Granby. Ouais. Donc, Granby, très connu pour sa vie nocturne, comme je parlais plus tôt, des restaurants, des pubs, entre autres. Et on est vraiment à une minute en voiture de Granby. Ouais. On a la plage de Montchoisy, avec le sable blanc qui est pratique pour aller se balader à pied, à cheval aussi, parce qu'on a l'équitation de Montchoisy. Donc, ceux qui aiment, par exemple, nager, Montchoisy, plage est magnifique pour cela. Parce qu'on a quand même pas mal de plages à Maurice, mais où le bain ne s'y prête pas, malheureusement. Exactement, c'est vraiment une piscine naturelle et elle est restée telle qu'elle depuis des années, avec le sable blanc qui est magnifique, l'eau cristalline qui est juste géniale. Donc allez vous baigner, comme là vous êtes dans le Nord, profitez-en. C'est vraiment tous les services et tout ce côté développement qu'on apporte à la région de Granby. Merci beaucoup pour ces réponses à mes questions. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cet épisode des Rendez-vous Acquises. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Si vous n'avez pas encore regardé nos précédents épisodes, on va les mettre juste là. Et pour vous tenir au courant des dernières actualités chez Acquises, abonnez-vous à notre chaîne. Bonne journée. Maintenant, Vanessa, est-ce que ça te dit de prendre une photo avec moi ? Bien sûr, avec grand plaisir. Et je pense...